Coucou les petits sorciers, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, là je tiens encore, oui, à vous remercier de me soutenir, de me suivre, etc. C'est grâce à vous, etc. Et ça me fait énormément plaisir. Donc là, je vais faire un petit jeu avec vous. Et le gagnant de ce jeu pourra me demander le thème qu'il voudrait que je fasse dans une prochaine vidéo Harry Potter. Donc je vais vous poser à vous tous des questions, ce sera un petit quiz. Vous pourrez répondre aux questions dans les commentaires et la personne qui a les bonnes réponses à toutes les questions aura la possibilité, si il ou elle le veut, de me demander le thème qui lui ferait plaisir que je fasse dans une prochaine vidéo. Donc c'est un petit cadeau pour vous remercier aussi d'avoir atteint les 41 abonnés sur ma chaîne en l'espace de 2 jours de temps. Parce que hier j'avais encore, on va dire, 23 abonnés jusqu'à la matinée. Et après c'est monté jusqu'à 41 abonnés. Donc ça a beaucoup augmenté. Donc en fait ce petit jeu est dédié à vous tous. Donc, bonne chance à vous tous. Alors, la première question, c'est que signifie le sigle ASPIC? Donc, c'est ASPIC. Donc, déjà, cette première question, vous pouvez répondre dans les commentaires votre réponse. Ou sinon, si vous préférez, m'envoyer vos réponses par message privé sur mon Instagram. Donc je le répète, c'est Potterhead Drago, mon Instagram. De toute façon, le pseudo de mon Instagram est en description. Hein, donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram et qui souhaitent vous s'abonner, n'hésitez pas à aller voir mon pseudo dans la description. Donc je vous laisse le choix, soit vous répondez aux questions dans les commentaires en dessous de ma vidéo, en me donnant vos réponses, ou soit vos réponses, vous me les donnez par messagerie privée, hein, comme vous voulez. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est le lien de parenté entre Sirius Black et Drago Malfoy? Alors ensuite, la troisième question, c'est en quel bois est faite la baguette de Harry Potter? Ensuite, la quatrième question, c'est quels sont les trois animaux possibles pour Poudlard? Parce qu'on peut choisir un animal pour aller à Poudlard, et il y en a trois possibles. Ensuite, c'est quel est le directeur de Poudlard avant Albus Dumbledore? Et ensuite, la sixième et dernière question, c'est quelle est la maison de Poudlard du frère de Sirius Black, de RAB, donc de Régulus Arcturus Black? Voilà, j'ai essayé de ne pas parler vite dans cette vidéo pour que vous avez le temps de répondre aux questions. N'hésitez pas à jouer le jeu, ça me ferait plaisir et puis le gagnant ou la gagnante aura la possibilité de m'envoyer un thème qui lui ferait plaisir, une idée de thème qui lui ferait plaisir pour que je fasse dans une prochaine vidéo Harry Potter. Donc je trouve que c'est intéressant de faire ce petit jeu pour vous récompenser, etc. Et bonne chance à tout le monde. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est aussi pour vous, c'est pour vous remercier. Et puis je trouve que c'est sympa de faire des petits jeux comme ça avec vous. Il y en aura d'autres par la suite. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la liker, je vous encourage à réagir dans les commentaires en répondant à toutes les questions. Donc bonne chance à tous et que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Donc je le répète, la personne qui aura toutes les bonnes réponses aura la possibilité de me donner une idée de thème que cette personne lui ferait plaisir en fait. Donc je le redis. Alors, si vous n'avez pas encore activé la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors des nouvelles vidéos sur ma chaîne, je vous encourage à le faire. Et puis, encore merci beaucoup à vous tous de continuer à me porter pour l'univers HP. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage à toujours continuer à faire de plus en plus de vidéos quand je le peux. Donc voilà. Moi, je vous retrouve dans quelques heures pour une toute nouvelle vidéo Harry Potter. Allez, à tout à l'heure, mes petits sorciers. Bye!